Ça augmente de toutes les 1000. Pas sûr, mais ça ressemble pas mal à ça. 70. Pas ce qu'il y ait des barils, des affaires explosives dans mon proche. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ça, hein? Toi, ça te dérange pas, t'es un robot, t'es programmé pour penser d'une certaine manière, mais moi, j'y ai pensé. Barils explosifs, d'habitude, ça porte malheur. Celle-là. Ah, c'est bien comme ça. Merci pour les munitions, ça c'est pété. Et voilà. Charge shot! Juste un robot. Et voilà. Ah merde. Heureusement les gars, je fais juste ma job. Je sais pas si comment tu veux vers la fin, mais coudonc. Ok, je suis rendu à quoi maintenant? Ok, la switch qui est là. Munition. Un autre shot, let's go. Ça risque d'améliorer un petit peu.
super fort. Ouais, je pense qu'on va aller avec. Allez, on crève. C'est bon, d'accord. Oh merde. Non, en rétrospective, c'était pas très bien. C'est ça. Ben. On est juste au deuxième tableau, puis je commence déjà à rusher. Ça va être le fun vers la fin, ça. Quand même pris 28 minutes, mais on l'a réussi. J'ai mangé 1540 points de dégâts total. Étant donné que j'ai 100 points de vie total, ça veut dire que je serais mort 15 fois. Ouf. We are getting the first reports from Sector 6. The barrier was disabled from within the city. Have the CLN clean up this mess ASAP. PR can barely hold the media at bay. The system has identified the culprit, Percival Novak. Novak? Professor Percival Novak? He could be a serious threat. I don't want to hear about him again. Send new orders to CLN. CLN 16, sending you possible location of the person responsible for the sabotage in Sector 6. Percival Novak. Understood. Mais get on, and you make that out of the children at that time. But that would have risked everything coming out. He would have turned me into a guinea pig. It is time to settle the score. Good. Settle the score, we will. Mais avant de le courir après, on va s'upgrader. Il paraît que mes priorités sont tellement pas à bonne place. Tactical scanner, envoyez donc. C'est bien marrant pour savoir où c'est que les ennemis sont. Je sais pas sur quoi ça va paraître là, mais... J'aurais pu espérer, je sais pas, tire dessus, ah il pète, il meurt, je vais finir là. Mais non. Les affaires peuvent jamais être simples de même, sinon les jeux seraient vraiment courts. Je sais quoi, s'il n'y aura pas des secrets, mais pas là non hein. Fait qu'on va continuer par là-bas. Ça c'est pas magnifique. Fuck.
Je suis pogné dans toutes les petites affaires que je peux pas. Où est qu'il y a l'autre? Ah, il était pété. Ah, mieux. Moi j'aime ça quand les hommes sont caves de même. Ils restent assis dessus. Bon, j'imagine que pour rentrer là. Ça cause un accident ça? Ben oui. Mais c'est un détail, de toute façon, je fais vraiment tout exploser, tout ce que je trouve, fait que une chose de plus ou de moins. Rendu là. Ok, ben j'ai rien pas upgradé, fait qu'on va s'en passer. Ok, ouais, je le vois là, en bas à gauche dans mon indicateur pour mes points de vie. Là. Il y a un genre de bip, puis quand il y a des ennemis, il y a des flèches rouges qui apparaissent pour dire la présence où ils sont. Si des fois je les cherche. C'est drôle parce que le gun, quand on tire, il vire rouge tellement qu'il est. Ben oui. C'est logique. Rien que sur le câble qui flash, tu sais. Oh! Faites de ce qu'il y a là. Feu pas l'air marcher aussi bien que l'électricité, mais bon, on se plaint pas, ça fonctionne donc. Moi ça devient paranoïaque. Et bien ça, ce n'est pas une armée qui va ressoudre là. Ah, puis non. Je m'attendais à ce qu'il y ait comme une armée qui vienne pour dire « Hey, t'as pas le droit de fermer ce switch-là. On te pète la gueule. » Bah, il aurait peut-être pas dit ça, c'est quand même les robots, hein, mais t'sais, on comprend ce que je veux dire. Ah, bon. C'est ça, tu sais, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est pas le dixième qui me descend, ça sera sûrement pas toi. Ça, c'est des genres de berserkers, je crois.